trouver un ascenseur jusqu'à Sixon Communication. Est-ce qu'on doit toujours communiquer avec notre vaisseau, hein? Même la base. Maintenant, place au gameplay larve de peur. Oh non. On est arrivé? Oh non, je voulais rester un peu plus de temps dans le métro. Sixon Communication Technologie, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solution. Alors, la map. Que nous dit la map? Transit vers la tour de Sébastopol. Plateforme des machines, tour d'habitation. Soumine. Il faut que j'aille vers la tour de Sébastopol peut-être? La tour Sistecre renfermée, ouais c'est ça, hein. Donc il faut que j'aille à la tour. Play solution, non. Engineering deck. Habitation tower. C'est ça, c'est cette tour là. Rétablir le courant, super. Accéder au routage. Reroutage. Utilisez le reroutage pour activer et désactiver les systèmes à votre proximité. Le système partage une alimentation d'électricité limitée. Les éteindre fournit électricité pour en allumer d'autres. Ok. Consultez la carte à droite de l'écran avec RS pour localiser la position des systèmes locaux. Accédez à de nouvelles zones, créez des diversions ou trafiquez les systèmes de Sébastopol pour vous aider à remplir votre objectif. Du coup, système haut-parleur, système instable, actif. Pas de lien. Capacité du réseau. Si je désactive les deux là. Veuillez nous excuser pour les perturbations affectant actuellement le service. Parce que là ça fonctionne. Mais ici ça fonctionne pas. Où ? Si je désactive tout, peut-être que ça fonctionnera. Non. Pas compris. En vrai, j'ai attendu la mort par déshydratation dans le métro à la place. Salut, c'est Alex. Comment ça va? Je passe juste pour dire bravo, merci pour ton travail sur la chaîne de Ponce durant le event. La boss, bonne soirée. Merci beaucoup, c'est adorable. Ah, merci infiniment. Merci, merci, des bisous. Bonne soirée à toi. À moins qu'il faille que je passe forcément par là, que je fasse le grand tour, je ne sais pas. Ah, attendez. Oh, je peux me cacher. Let's go. On trouve une petite cachette, ça régale. Après, est-ce qu'il faudrait pas que je trouve d'autres trucs de route là? Peut-être, je ne sais pas. On peut explorer, hein. Torche à plasma requise. En vrai, peut-être qu'on pourrait explorer. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Peut-être que je m'aventure là où il faut pas. Hein. Si je peux pas passer de toute façon. Oh! Prendre l'ascenseur vers Sixon Communication. Oula! Oh, 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 ok, je me casse. Oh non, merde. Putain, d'accord, mais y a pas que l'alien, en fait. Je fuis les humains aussi, putain. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Vas-y, j'appelle le premier truc que je trouve. Et je vais me cacher dans un casier en attendant. Voilà. Est-ce qu'ils vont venir jusqu'ici? Pas l'impression.
pas sortir de la cachette. Apparemment, je devais pas... Ah non, c'est le train. C'est le métro qui arrive. Oh, ça m'a fait peur. Votre sécurité est au cœur de nos préoccupations. Navette, veuillez reporter immédiatement d'habitation sur le transit. Ok, ok, ok. On s'en fout. Moi, je veux trouver un moyen. Système instable, système de haut-parleur. Je sais pas, hein. Système de haut-parleur, mais on s'en fout du système de haut-parleur. Je comprends pas trop le fonctionnement de ces trucs-là, je vous avoue. Parce que moi, du coup, ouais, je dois prendre... Attends, service offline. Je dois prendre celui-là, là, le 04. Salut Quora, comment ça va? Attends, les petites saves, ça fait longtemps. J'ai vu une certaine actrice d'un certain type de film rager fort sur ce jeu MDR, bonne chance. C'est vrai? Donc. Bon, est-ce que je tenterai pas de revenir par là? Oh. En fait, moi je me demande s'il faut pas ouais, aller un peu plus loin après. Pour pouvoir activer du courant ou d'autres chemins. On dit que ça peut pas être aussi simple. Bon là, est-ce qu'il y a toujours les gens qui sont là-bas? On va se faire discrète. Elle est plus là. Elle est plus là, la meuf. Enfin, je crois. Je la vois plus, en tout cas. C'est un système de diversion. Ah, mais c'est du coup, c'est pas juste pour appeler le train. Ok, ok. Et je pense que je peux marcher normalement. Il n'y a plus l'air d'y avoir personne. Oh, c'est stylé ici. Oh là là, c'est posé. Et petit canapé et tout, là. Salut, Bakou. Me fais pas peur, hein. Arrête de me faire des frayeurs. Munition de revolver. Oh, j'ai pas de revolver. J'ai full galère sur ce passage. Bonne chance. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux, Bakuchan? En tout cas, beau maquillage. Tu fais plus peur que d'habitude. Merci beaucoup, Quora. Je le prends comme un compliment. Petit magazine, là? Ouh, ça regarde des petites autos. Ici, c'est verrouillé. Ok, on n'a rien à trouver là. Il y a Kiwi qui est en train de faire à manger, ça sent bon. Ah! Reboutage système, purification de l'air, système instable. Arrête, Bakou. Bah, est-ce que j'ai besoin d'utiliser ça pour le moment? Je ne pense pas. On va activer la purification de l'air, bien sûr. Bakou, j'ai rien pour toi, bébé. Je n'ai rien pour toi, mon chat. Oula. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, non, mais... Non, on va pas mettre ça. Ça fait beaucoup trop de fumée. On va désactiver. Voilà. Et beaucoup, beaucoup trop de fumée, en fait. Ça veut pas s'enlever? Allô? Je vois plus rien, mais putain, mais à l'aide. Éteins-toi le système de purification, s'il te plaît. Oh, l'enfer. Oh ! Un synthoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. C'est du gâteau. Trouver une nouvelle cellule de données. Trouver une cellule de données pour réparer le synthoniseur ? Tout à fait. Je ne sais même pas ce qu'est une cellule de données.
Je reviens juste pour passer une petite tête sur le chat pour dire qu'en conclusion du The Event, retenons le positif, aimons-nous tous et utilisons des émotes comme Machine Love et cœur. Oh, attendez, il y a quelqu'un. Merci beaucoup, Logmat, c'est adorable. Oh, il est là. Oh putain, oh, je vais die. Ah, vite, 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 vite. Pourquoi elle hurle comme ça? Je vais me soigner. Ils peuvent pas me suivre dans les conduits, on est d'accord? Oh, merde! Oh putain! Vite! Oh non, oh non, mais je suis coincée ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vite, je prends tout, il y a de la camelote, mais... Oh, torche à plasma requise, mais je suis coincée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis juste piégée, en fait. Après, je peux les buter ou pas, les gens? Je pense, hein. Petit coup de clé, là. Bon. Ah, en plus, je peux pas créer de diversion, là. Ça dégoûte. C'est un compliment parce que ce qui compte, c'est pas le paraître, c'est la compétence. Belle compétence de maquillage, du coup. Merci, Quora. On va attendre un peu. Puis on va y retourner après. Hein. Pas le choix, de toute façon. Hein. Pas le choix, faut y aller, comme dirait Fab Larage. Hein. Bon, bah go. Hein. Go faire face à mon destin. Oh, par contre, attendez, mais j'ai vraiment pas de... Ah, attendez. Est-ce que je peux crafter? Non? S'il vous plaît. Je peux pas crafter ici. Ah ouais. Ah, j'ai pas de pistolet à seringue. Je sais pas à quoi ça sert les pièces de Camelot. On dirait comme de la monnaie, mais... Pistolet seringue. Est-ce que ça sert à acheter? Parce que je vois Camelot, donc c'est un petit signe de clé. Et je vois clé 10 plus... Pistolet seringue, mélange B. Non, je comprends pas trop. C'est pour acheter du matériel? Beau. La pièce de Camelot, oui, exactement le comme le château. Ok, ils ont l'air d'être partis, hein, je pense. Oh, il est juste là, putain. Ah là, c'est le moment de faire une diversion. Pièce de Camelot, c'est ce qu'il te faut pour craft. À chaque craft, ça te consomme. Ah, ok, j'avais pas capté. Oh, putain, il est là. Ah, si je retourne dans mon trou. Oh, trop chiant. Ah, parce que là j'ai vraiment zéro issue quoi. Mis à part celle-là. Okay. On va aller faire une diversion. On va rester bien accroupi. Putain. De la bouffe. Tout ce oui, il est pas loin. Oh, il y a un mec juste là. Oh, mais putain, mais ils sont partout. En plus, j'ai plus de vie. Hein. Là, je prends une balle, je meurs. Hein. La station ressemble à un cimetière. Hein. J'ai pas le choix. Je vais y aller au culot. Ouais, bah... Yes. Sympathique. Chouette. Chouette. Mais bonne ambiance, hein. Celui-là de culot. Ouais, le culot qui paye toujours, hein.
n'est-ce pas? Bon, il va falloir une autre stratégie. Merde, c'est pas par là. Par où? C'était par où? Pas par ici? Putain, mais du coup, ouais, il faut que je re-retrouve à nouveau l'appareil et tout, machin. Là, est-ce que je peux faire une direction... Une direction. Une diversion dès maintenant. Je pense que ça ne sert à rien. On va laisser sur système... Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, système instable. Qu'est-ce que ça fait de laisser sur système instable, en fait? Salut, Ectobogan! Petit make-up style, est-ce que je vois? Oui! Merci. No weapons allowed, hein. Oui, oui, bien sûr, hein. Tout le monde respecte cette règle, apparemment. Attendez, mais c'était bien par là, non? Ah non, c'était par là. Et on rentre doucement, accroupissant. Ok, là, il n'y a personne. Vite, vite, vite. On va chercher le bidule. Un syntoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Putain, y'a un mec juste là? Je l'ai vu. Ou alors j'ai une hallucination, mais j'ai vu un mec juste là. Dans le conduit. Parce que là, ils ont dit, je suis sûre qu'elle est en bas. Il faut absolument que j'arrive à faire la diversion. Je vais devoir encore faire un coup de culot, quoi. Ça va aussi peu payer que tout à l'heure, je pense. Parce qu'en plus, ils ont le même pattern que tout à l'heure. Il y a, oh, il y a forcément un mec ici. Putain de sa mère. Oh putain de sa mère. Oh putain de bordel de caca. Tu es où, là? Ah, pourquoi la caméra elle est stock comme ça? Ah, c'est trop bizarre, la caméra elle est... Elle est bloquée. J'arrive pas à... Regardez, j'arrive pas à utiliser la caméra. J'arrive pas à tourner. Chelou. Ça focus là-dessus. Trop bizarre. J'ai une impression déjà vue. Ouais, bizarre, moi aussi. Ouais, j'ai la caméra bloquée, regardez, je peux pas... Je peux pas bouger la caméra. J'ai l'impression qu'il y a quelques bugs dans le jeu, hein, quand même, hein. Mine de rien. Même là, regardez, je peux pas baisser la caméra pour appuyer sur A pour aller dans le conduit. C'est... Ah, c'est bon. Là, je peux me mettre accroupie. Ok. Oh, ça va être relou! Je commence à comprendre, Dodo, pourquoi t'as dit que t'avais galéré sur ce passage. Hein. Putain, elle est au taquet! Elle a qu'une hâte, c'est de me pulvère, quoi. Pas de descendre. Voilà.
Vas-y, on va passer par ici. Dans une autre vie, c'est à cette heure-ci que je commençais. Oh, il ne m'a pas vu. Oh, let's go. Ah, pas vu. Alors là, je cours à l'aveugle, hein. Clairement. Je sais pas du tout si je vais tomber sur quelqu'un. Ah putain, ok, ça... Oh putain. Ok. Je trouve la petite cellule. Mais alors, où la trouver? Si je savais où la trouver, ça aurait été pas mal. Pourtant, j'ai fouillé cette salle hein, tout à l'heure. Et j'ai rien trouvé. Ça doit être dans un coin où j'ai pas fouillé. Là, y a rien. Ah, il faut vraiment que j'arrive à aller jusqu'au truc pour faire diversion. Allez, quelqu'un va envoyer de l'aide ici. Ah. Ok. Normalement, je pense que je peux faire diversion. Il aurait pu y avoir le mec ici. Je crois. Merde. Oh non. Ça c'est pas ce que j'ai couru. Non. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis trop jeune pour mourir. Mais oui, c'est pas ce que j'ai couru. Je pense qu'ils m'ont entendu parce que j'ai couru. Ah, attendez, j'avais pas vu ça tout à l'heure. C'est quoi ça? Fumigène. Est-ce que les fumigènes peuvent servir de diversion? Certainement. Fumigène. Ok, ça me donne max de fumigène, donc ça veut dire qu'à mon avis, les fumigènes me seront utiles. J'arrête pas de me toucher le visage, j'espère que je suis pas en train de me tartiner de maquillage. Tu sais où aller déjà? Bah pas vraiment. En fait, j'aimerais bien fouiner pour trouver ce que je cherche, donc la petite cellule. Mais après, techniquement, je dois aller à la tour de Sixon, donc... En fait, elle piratait l'ascenseur avec un petit appareil, et pour faire fonctionner cet appareil, il me faut une cellule. Trouver une cellule de données pour réparer le syntoniseur. Pour ensuite utiliser l'ascenseur, j'imagine, pour ensuite, après, se barrer, vu que là, le métro pour aller à la tour a pas l'air de fonctionner. Donc je pense que c'est un bail comme ça, hein. Le sprint fait beaucoup de bruit. Ouais, c'est ce que je vois. Hein. Et c'est ce que j'avais cru comprendre, qu'il faut éviter de courir quand on se cache. Oh. Alors attends, comment sortir le fumi? Waouh. Waouh. Je suis désolée, mais cet endroit est quelque peu buggé. Hein. Ah ouais, cet endroit est full buggé. Mettre kit fumigène. On va préparer un fumi. Oh putain, ça saoule. Ok, il y a toujours quelqu'un là en haut. Je pense que... Oh putain. Je vais attendre qu'il soit genre bien au fond du couloir et je vais balancer un fumigène à mon avis. Pourrait faire une bonne diversion. Attends, je me suis souvent cachée ici mais j'ai jamais eu ce bug, c'est bizarre. Hein. Putain. Oh, je suis retombée. On entend le vent souffler. C'est le temps des tempêtes. Bon, est-ce que t'as bougé ou pas? Ok. Ok, il est là-bas. Non, arrêtez de courir.
Juste pas qu'ils montent par là, quoi, en fait. Ils montent par là, je suis dans la merde. Oh, putain. J'ai tenté le... J'ai tenté l'attaque. Je me suis dit, à tout moment, je les bute. Est-ce que c'est possible, en vrai, de les buter facilement? Genre, si je les bute un par un, est-ce que je pourrais pas m'en sortir? On peut prendre le temps d'admirer le travail de la personne qui a modélisé ce qu'on vit. Exactement. Exactement. Facilement, non. Ah ouais, j'imagine qu'avec cette clé, en plus, peut-être quand j'aurai un gun, mais... On va activer le système instable. Tu viens de revenir, t'as essayé de le tuer avec une carotte. Non, c'était pas une carotte, c'était... C'était une clé. Genre, c'était ça. Bon. C'est quand même un peu mieux qu'une carotte. Ok, on est reparti, les amis. Je pense que je vais directement faire diversion. Je vais directement activer la diversion. Les petits, la petite fumée de l'air conditionné, là. Purification de l'air. Voilà. Comme ça, je vais choper ça. Un syntoniseur d'accès. Elle essayait de pirater la sécurité. Oui, blabla, elle essayait de pirater l'ascenseur. Ok. Maintenant, on se barre. T'es sûr que tu veux prendre ce risque ? T'as raison. Je me barre. Voilà. Comme ça, au moins cette fois, on meurt pas. Et il faut que je cherche la cellule. Donc ça, c'est que des cachettes, les casiers, on est d'accord. Normalement, il n'y a rien à fouiller dedans. Enfin, je crois. Actualiser la carte. Oh. Oh! Oh! Trouver une cellule donnée pour réparer le syntoniseur, ok. Verrouiller, machin. Ouais, je vais tenter de refouiller par là-bas. Ça doit être dans d'autres zones peut-être. Hein. Peut-être que j'aille genre par là, vers Solomon's Habitation Tower. Possible en vrai, hein. On va tenter, hein. Qui ne tente rien à rien. Je sais même pas à quoi ça ressemble en fait. En vrai, le jeu avec le sprint c'est 45 minutes, c'est juste que vu qu'il faut pas sprinter, bah tu mets 5 ans et demi. C'est ça, hein. C'est un peu ça. Hein. Trimper à mur ou une surface pour faire diversion, ça disait ? Ça a mis mon objectif à jour, donc à mon avis, il fallait peut-être pas que j'aille là. Cette station dessert la galerie marchande Solomon's, le bureau du marshal colonial et les suites Sixon. Ouais. Là, ça me dit go tour Sistek Lawrence, donc... Ouais, je pense qu'il faut peut-être pas aller par là. C'est peut-être un peu trop tôt dans le jeu, je... Honnêtement, je sais pas. En vrai, je sais pas si, si vraiment t'es si... Si le jeu est un, entre guillemets, autant un couloir, en fait. Dans le sens où les éléments sont relativement proches, etc, tu vois. Je pense, en vrai. Un petit peu de Camelot. Parce que cette cellule que je dois trouver, direction... Eh ouais, non, non, non. Non, on va pas aller par là. Le jeu me force à retourner, enfin me force. Le jeu m'incite à retourner vers là-bas, donc on va le suivre à mon avis. Il y a un certain script en fonction de la... Un certain script mappé qui doit être instauré, donc... Notre équipe d'humains et de synthétiques vous remercie de votre fidèle utilisation du transit de Sébastopol. Carte situe où tu dois aller, par contre à toi de trouver la porte qui mène à cet endroit. Hmm.
Ouais, mais là, dans tous les cas, je retourne là-bas. Ça, c'est sourd. Après, on peut passer notre temps à prendre le métro, hein. C'est pas mal aussi, hein. Au moins, on est en sécurité. Allez, ouf. C'est dommage, ils auraient pu faire des temps de chargement un peu plus cachés. Imagine taper le métro et t'as le Xenomorph dedans. Je pense que c'est pas possible. Trouver une cellule de données pourrait parler au syntoniseur. On va la trouver. Qu'est-ce qu'il y a, bébé Koutia ? Un petit cœur. Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Santé. Bien sûr qu'il n'y a rien à chercher dans les casiers. Hein. Merci Chizusama pour la friandise Baku. Je crois qu'elle en voulait une en plus. Hein. Clairement. Hein. C'est pour toi, bébé. Tu veux un petit biscuit? Bien, monte là. C'est bon. C'est bon les biscuits. Miam miam. En vrai, le début du jeu est un peu difficile à appréhender. Car ils en demandent beaucoup, mais une fois bien initié, ça prend tout son sens. Ah oui, j'imagine. Bah là, en plus, oui, c'est vraiment... on comprend un peu le style de jeu de... il faut que tu fouilles et que tu te débrouilles un petit peu, quoi. Hein. Je comprends. C'est vrai que c'est... Par contre, c'est juste... ouais, pas facile à... comme tu dis, à appréhender. Donc là... il y a des trucs là-dedans, mais c'est fermé. Niveau de sécurité trop élevé, ok. Donc, peut-être qu'après, avec le syntoniseur, on pourra le pirater. Ici, c'est un ascenseur. Oh, ramasser amorce. Je sais pas ce que c'est, les amorces. On ramasse depuis tout à l'heure, mais... oula, je sais pas à quoi ça sert. Ah, j'avais pas vu ce petit, cette petite porte. Oh non, il y a un monsieur mort. Ok. Pas l'air d'aller bien. Est-ce que je peux pas faire un medkit, tiens, d'ailleurs? Si, si, si. Olay. Oh, on l'a jeté sur le monsieur décédé. Mais attends, mais quoi? Ah mais c'est juste... ah ! Ok, ça me ramène ici. Ok, super. Très bien. Génial. Attendez, je vais sauvegarder maintenant. Vu que j'ai déjà récupéré le truc et tout comme ça, ça me ramène pas... j'aurais pas à le refaire après. C'est GG du service d'entretien, ah, pauvre GG. Le super raccourci, bah en vrai je pense que ça me sera utile quand... je serai un peu poursuivi, quoi. Ok, donc ça, c'était la map. Une cellule. Faut trouver une cellule. J'imagine que... ouais, non, non, y a rien là-dedans. Là, c'est fermé. Je peux pas ouvrir. Torche à plasma. Là, je peux pas rentrer là-dedans non plus. Porte fermée. Ça, c'est la salle des méchants. Là, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir... parce que ouais, c'est forcément dans la salle où il y a les méchants, quoi. C'est obligé. Ah, attends! Je suis pas passée par là, moi. Ça mène vers où? Ok, c'est pour se cacher. C'est pour se cacher, ça ramène vers la porte des méchants. Écoutez, il va falloir qu'on y aille. Hein. Est-ce que je ferais pas une diversion dans la station peut-être d'abord? En fait, je sais pas si quand je fais une diversion dans la station, ça les amène
ça les amène jusqu'ici, ça fait une diversion, vous voyez ce que je veux dire? Comme c'est quand même relativement éloigné. Je sais pas si ça les attire en fait. J'adore ce nom, la porte des méchants. C'est mon petit point de repère quoi. La porte des méchants. Hop 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 hop. Hop 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 hop, ils sont tous là. Ils sont tous là. Il disait que je pouvais taper les murs ou le sol. Ah, est-ce que j'ai fumi? Non, j'ai pas de fumi. Vous voyez, je peux pas me déséquiper du medkit quand il est équipé. C'est chiant. J'ai vraiment pas un moyen de les attirer là. Un truc à couper. C'est un kikinant cette histoire. Tant pis, hein, YOLO. YOLO. Faudrait que je réactive le purificateur d'air. On va passer par la gauche. On va essayer. J'ai l'impression que quand t'es accroupi, il te voit vraiment pas de très loin. Oh non, merde. Oh, j'avais pas vu cette porte tout à l'heure. Crotte. Tiens, pourquoi elle s'est ouverte et maintenant elle s'ouvre plus? Bon, is ok. Ouais, je pense qu'il va falloir essayer de s'infiltrer un peu ballsy, quoi, en fait. Hein. Je vois pas d'autre solution. On voit pas d'autre solution que ça. On va retenter le coup, hein. C'est pas grave. Hein. Je savais pas qu'en fait je jouais à Splinter Cell. Là, cette porte, elle s'est ouverte, là. Mais elle ne s'ouvre plus. C'était peut-être un bug. Non, il y a un mec, là. Enfin, vous connaissez mes compétences en sneaky, moi, en plus, hein. On comprend pas pourquoi cette porte ne s'ouvre pas. Il faut peut-être être debout pour que ça s'ouvre. C'est bizarre. Tu peux essayer d'aller sur le toit de la station. Je pense que le gameplay toit ne marche pas ici. On joue un enfant de 6 ans. En gros, c'est vrai qu'on passe le plus clair de notre temps accroupi, donc... Oh putain, il est là. Allez, quelqu'un va envoyer de l'aide ici. C'est la bonne porte ou pas? Bah, je sais pas en vrai. Hein. En tout cas, c'est une porte par laquelle on n'est pas passé. Donc, forcément des trucs à y trouver dedans. J'ai l'impression qu'un gars est rentré dedans, mais que toi, tu peux pas. Ouais, c'est ça. Hein. Ou peut-être un pass ou un truc du genre pour... Oh putain. Pour y rentrer. Peut-être que j'attire quelqu'un, je sais pas. Cet endroit part chaque jour un peu plus en morceaux. Oh ! Il m'a fait peur le con ! Allez mais cours Amanda ! Fuck.
plupart des portes sont vertes si tu peux y rentrer. Ouais, c'est ça. Donc là, ouais, peut-être qu'il faut un pass ou un truc pour pouvoir y rentrer. C'est dur, n'empêche, en vrai. En fait, s'il y avait eu moyen de pirater un truc, genre juste à l'extérieur de la salle, ça aurait été bien. Écoutez, là, je désactive tout. On va voir si ça change quelque chose pour eux, mais je crois pas. Tu as frappé à la porte, sait-on jamais? Peut-être. Toc, toc. Genre, voyez, là, s'il y avait un truc qu'on pouvait pirater ici, faire diversion dans le coin et que ça les amène, que ça les amène, pardon, ici, ça aurait été bien, mais... Mais c'est pas tout le cas. Allez, on y retourne. Bonjour. Ça aurait été bien que j'ai des fumigènes comme tout à l'heure. Bon, après, je sais pas trop les utiliser, hein, parce que tout à l'heure, ils m'ont pas été très utiles. Il va me voir. Il m'a vu. Il m'a vu. Ok, go, 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 go. Mon petit n'a repassé par ici. Moindre brume fout les boules. Là, il y a quelqu'un dans les escaliers. Oh, la porte. Oh, je peux pas passer. Oh, l'escroquerie. C'est une porte scriptée. Oh, ça dégoûte. Ça dégoûte. Oh, l'arnaque. J'ai l'impression qu'on attend sagement que la mort vienne nous chercher. J'ai l'impression d'attendre sagement que la mort vienne nous chercher. Putain, ils sont en bonne humeur ici, hein. Oh oh, bonjour. Allez, quelqu'un va envoyer de l'aide d'ici. Passer ma vie cachée derrière ce comptoir ou ça se passe comment là? On va s'en sortir, promis. Vas-y, on retente. Non, c'est impossible de passer. Putain, il m'a vu en plus. Quelqu'un va y jeter un œil? Oh, ils se ramènent tous vers moi. Ce jeu de chat et de la souris. J'y pep. Oh putain. Vas-y, vite les escaliers. Oh non. Il y a une meuf en haut des escaliers. Oh, à l'aide. Ah, elle va me voir. Oh, je suis sous presse là. Vite. Vite faire diversion. J'arrive pas à croire que vous m'ayez laissé toute seule là-bas. Allez go. Est-ce que je me cache dans le conduit en attendant? Parce que là en vrai, je sais pas où aller en fait. C'est ça le souci. Putain! Par où cette chose est passée? Ah là, c'est full fumée, hein! Là, je peux pas rentrer ici. Est-ce qu'il me voit à travers la fumée? Une bonne question, ça. Je pense que non, quand même. Ce serait plus intelligent de faire en sorte que ça me camoufle.
qu'il y a toujours quelqu'un ici, là? Non. Ok. On continue. Là, sur ces tables, il n'y avait rien. Il y avait juste des balles. Je vais récupérer, quand même. Je vais attendre ici, dans l'obscurité. Il y a l'air d'y avoir personne. On peut y aller. Ah, attends. Ça descend, ici. J'avais pas vu qu'il y avait un petit escalier qui descendait. Oh. Oh, je peux passer ici. Niveau de sécurité trop élevé. Ah, fuck. Ah, je peux pas passer là. Est-ce qu'on a quelque chose sur les tables? Une hygiène. Oh, je cherche une cellule. Pas de cellule. Des gens qui jouent à la belote, c'est tout. Ici, je ne peux pas passer. Attendez. Je vais activer... Enfin, je vais mettre en main le fumigène. Au cas où. J'espère qu'il passe pas par là. Je sais pas son pattern. J'arrive pas à croire que vous m'ayez laissé toute seule là-bas. Ok, elle est juste là. Ok, go, 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 go. On passe par là. Et je refais le tour là, hein. Je suis en train de refaire tout le tour. Je crois qu'il y a quelqu'un en plus par là normalement. Ici, sur cette table, il n'y a rien. Il y a des clopes. Ça, c'est deux portes. Pour rétablir le courant. Rétablir le courant. Mais où se rétablit-il? Je ne sais pas. Ah, putain de chiottes. J'espère qu'il n'y a personne qui vient dans cette salle. Là-bas, il y a une porte. Attends, c'est la porte d'arrivée, celle-là, ou... aucun rapport. Lui, je peux essayer de contourner son pattern. Je peux me cacher dans le coin? Non, je peux pas me cacher dans ce coin-là. Passer par là. Pourquoi il y a un gun qui flotte? Excusez-moi, ce jeu est truffé de bugs, les amis. Il y a un putain de gun qui flotte! C'est scandaleux. Bah, c'est un jeu de 2014, mais bon. Quand même. Waouh! Oh, regardez-moi cette vue. Oh là 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 là, ça régale. Oh là là, ça régale. C'est une technologie futuriste. Vous croyez qu'il a une cape d'invisibilité, peut-être? Attends, on n'a pas joué au même jeu, en vrai. Je sais pas, hein, après... ça peut arriver, hein. Ok, il y a une cachette ici, au cas où. Je crois qu'elle est partie en bas. On va jeter un œil. Oh merde, 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 merde. Oh, merde. J'aurais pu aller me cacher dans le placard. Merde. Vite, 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 vite. Cachette, 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 cachette. Bon, ils ont marqué que je leur avais volé des trucs. Ça doit être un truc de gravité de l'espace. Ouais, voilà, on dira ça, ouais. On dira ça, ouais. Alors, est-ce qu'il y a une issue par là? Je sais pas du tout où est-ce que ça mène, par contre, s'il y a une issue. Hein. Est-ce que j'ai la map de où je suis? Non, pas vraiment. Je suis où? Porte fermée. Hmm.
Il faudra, à mon avis, que je retourne là où j'étais tout à l'heure. Il devait y avoir des trucs, peut-être des trucs intéressants par là-bas. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Non, niveau de sécurité trop élevé. Oh, mais je vais passer ma vie accroupie, les gars. Oh là là. En fait, c'est pour ça qu'ils ont fait un perso super grand quand il est debout. Parce qu'ils savaient que t'allais passer ta vie accroupie et du coup, il fallait pas qu'il soit trop petit non plus, quoi. Il y a l'air d'y avoir une salle assez importante ici, là. On va aller voir. J'espère qu'il y a personne. Sinon, je le fracasse. Il y a personne, j'ai l'impression. Ouh, hot food. Sauvegarde, vite. Oui. Ok. Là 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 là, en plus j'ai des balles. Carte magnétique. Oh, on va pouvoir ouvrir pas mal de portes avec ça. Par contre, vous allez me dire qu'avec tout ça, je peux pas rentrer en contact avec avec mon vaisseau. Genre ça c'est pas une radio ça. C'est honteux. Oh oh. Oh oh. Comment j'équipe mon gun, attendez. Revolver. Non, là je suis avec la clé. Revolver. Elle a les yeux. Revolver. Comment je change d'arme? Et si tu l'as vu le Xeno quand les mecs te poursuivaient? Non. Non. Tu m'apprends quelque chose d'autre. Ah, c'est comme ça. Ok, il faut viser. Avec la gâchette gauche, bien sûr. Il y avait vraiment le xénophobe le xénomorphe qui est passé. Oh non, dodo. Il est descendu au moment où t'es rentré dans le tunnel, c'est vrai? Oh non. Pourquoi tu m'as dit ça? J'ai encore plus peur maintenant. Petite plaque d'identité. C'est la plaque d'identité de qui? Parce qu'on a trouvé Zachary tout à l'heure. Et là, on a trouvé C. Ward. Je l'ai pas vu non plus. J'avoue que si t'as le clip, je suis curieuse. Oh! Quelqu'un décédé là-bas. Par contre, qu'on soit d'accord, le xénomorphe. Est-ce que je peux faire quelque chose contre lui? Bon, peut-être qu'après le jeu m'en informera. Mais est-ce que genre lui tirer des balles de pistolet ou pas, ou ça change quelque chose? Je ne pense pas. On attend chaque chose en son temps. On loot. Est-ce qu'on va voir le monsieur là-bas? Oh, bon sang. Ah. Des musiques pas rassurantes. J'aime pas trop beaucoup ça. Schéma de grenade aveuglante. Ah. Autant je pense que le gun ça fera pas grand chose contre lui, mais tu as des petites grenades aveuglantes ou quoi. Niveau de sécurité trop élevé. Ah, j'ai une carte magnétique qui ne suffit pas à ouvrir certaines portes du coup. Ok. Ah oui, en même temps, c'est un peu le bureau du boss ici. Hein. Ok. Je pense que si t'essayes de devenir son ami, il se sentira moins seul et arrêtera de tuer des gens. Je suis sûre qu'il a un bon. La boîte noire. Ah, c'est la boîte noire. Quoi? Quoi? Non! Accès.
sais pas à quoi ça sert. J'ai peur. Je vous avoue que j'ai peur. Là, je suis sous pression, là, un peu. Hein. Y a un petit jeu à faire, là. Un petit... Qu'est-ce que je fais avec tout ça, moi? À quoi ça me sert de déplacer ces blocs? Pourquoi tout est si corrompu? J'ai la ref. Oh, cellule de données! Let's go! Accès au niveau 1. Pirater l'ascenseur vers Sixon Communication. Mais je peux sortir ou pas du coup? Ah bah oui, avec le synthoniseur du coup. Aucun signal. Ok, c'est à moi de... Attends, code incorrect. Merde. Qu'est-ce que je suis censée faire? Ah, comme ça. Non. Ah! Tac. Ok. C'est un captcha en fait. C'est pour dire que je ne suis pas un robot. Bon, par contre là j'aime pas. Il y a une alarme, j'aime pas. Oh non! Oh non! Si on a croisé le xénomorphe tout à l'heure, ça veut dire qu'ici, on croisera le xénomorphe à notre retour! Je suis sous pression. Désactiver le verrou de sécurité. Mais où ça donc? Partir vers l'ascenseur. Porte fermée. Je peux passer là-dedans? Tac. 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 Ok. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'avoue. Pas comme si j'étais poursuivie par des mecs. Par un xénomorphe aussi. Petite pause lecture. Archive personnelle. A.W. Chief Porter. Terminaux de Sébastopol. Chief, la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà archivé 80% du système de courriel interne de Sébastopol pour la décommission. Il a été déconnecté d'Apollo, mais j'ai laissé en place le système de messagerie basique pour les gens qui restent. La mauvaise nouvelle est que le branquignol, le B-word, qu'il a installé en premier lieu, a lésiné sur le matériel informatique et on a eu des fuites. J'ai mis Mike Tanaka sur le coup. C'est un archiviste, spécialiste qu'on a appelé. Il a l'air de toucher sa bille. J'ai pensé bon te tenir au courant en attendant. Signé Franco. Partager un avant-poste du progrès. Sébastopol, un avant-poste du progrès, par Julia Jones. L'isolation désolante. La station spatiale superflue, gérée par une entreprise passée dans l'oubli, Sébastopol n'est plus qu'un trou paumé. La population ne recouvre que 10% de la capacité maximale de la station. Les baies d'amarrage sont désertes et les stores des magasins et des commerces locaux sont baissés. Les commandes pour les androïdes de Sixon, mal finis, ont cessé depuis longtemps et l'archaïque système IA gouvernant Apollo dérape régulièrement. Comment en est-on arrivé là et, plus important, où se sont envolés les milliards de dollars investis? Mon nom est Julia Jones. J'ai vécu des 2 mois à Sébastopol, à dresser ce rapport pour le Colonial Times. J'ai découvert quelles sommes nos entreprises de seconde zone ont versé pour leur surpension lors de la course aux confins extérieurs. Oh, ça dénonce! Audio? Oh, j'ai pas accès à ces deux derniers. Bon. Un petit peu de matos. Merde. Hop, on ramasse tout. Oui. C'est vraiment la salle de loot ici, hein, décidément.
Ça pue, hein. Moi, je dis ça pue le fight. Quand on nous donne beaucoup de loot, c'est que les événements prochains vont mal se passer. Ok. Alors attendez que je remate la map. Moi je suis là, il y a un point d'intérêt sur ma gauche. Attends. Par là, il y a un point d'intérêt. J'ai loupé un truc. Ah oui, c'est quoi ça? Désactiver le verrou. Ah bah putain, c'était ça. C'était ce que je cherchais en plus. Samuel a fait un thread pour expliquer son ban. Ah, je vais aller voir ça. Il a pas capté. J'avoue que... Bah foufou là hein. Il est parti. J'ai l'impression qu'il est parti. Je vais rester accroupi encore. Ouais, il est parti par là-bas. Mais attends, mais il est parti vers mon objectif. Non ? Mon objectif ? C'est là. Il faut que je repasse par où? J'ai raté les ascenseurs. Non, il est repassé par la vente. Peut-être. Oh, m'a fait peur. Je repasse par là. Mais non, c'est pas le bon sens. Je comprends pas. Non, c'est pas du tout par là que je dois passer. Mais une ambiance conviviale, je trouve. Pas sûr que ce soit le mot, quoi. Oh non. Vite, 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 vite. Oh non, il va sortir d'une vente encore. Je vois pas par où je dois aller. Ah, le clip du Xeno. Attends. Attendez, on mate ça, on mate ça. Donc c'était juste le bruit, c'était pas... On l'a pas vu. Oh merde, 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 merde. Oh merde. J'aurais pu aller me cacher dans le placard. Merde. Vite, 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 vite. Cachette, 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 cachette. Ah non, c'était un bruit, c'était le bruit du xénophobe, ça? Vraiment? Oh! Ok, ok, ok. Donc, je saurai identifier le bruit du xénomorphe, pardon, à l'avenir. L'état du pantalon est comment? Il est pas serein, hein? Du xénophobe, non mais oui, j'ai du xénophobe à chaque fois! C'est terrible! On va l'appeler le xénophobe, hein, c'est pas grave. Hein. Du coup, ouais, je dois aller là, mais c'est peut-être pas le bon étage, c'est pour ça. Ah oui, c'est pas le bon étage. C'est pour ça. Du coup, par où je passe? Comment je remonte? Je retrouve les escaliers. Vas-y, je trace. Je trace.
Voilà, il faut que je remonte par là. On est d'accord. Ah, c'est donc ça le bruit. C'était donc ça. Heureusement qu'il n'y a pas d'endurance dans le jeu. Hein. Tac. 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 Olay. Confiance est beaucoup trop grande sur les pas de course. Mais parce que là je suis en mode... Le gun buggé est toujours là. Il est en train de tuer les mecs. C'est quoi ça? Oh. Je vais activer l'air conditionné. Peut-être qu'il aime pas la clim. Il aime peut-être pas la clim. Je vais le rendre malade, je vais lui donner un rhume. Il est en bas? Non, il est où? J'ai cru le voir en bas. J'ai cru le voir en bas. Vous croyez qu'il va prendre l'ascenseur? Je ne sais pas. Ah! Ok, c'est bon. On y est. Tac. Tac. Tac! Allez, go, 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 go. Vite! Into the ascenseur.